Mercredi 26 juillet, la presse irlandaise a annoncé la disparition de Sinéad O'Connor à l'âge de 56 ans. La chanteuse, célèbre pour son tube Nothing Compared to You, a reçu de vibrants hommages sur les réseaux sociaux. Un pays entier pleure l'une de ses artistes les plus talentueuses. Ce mercredi, Sinéad O'Connor a été retrouvée morte à l'âge de 56 ans, sans que l'on ne connaisse pour le moment les causes de sa mort. La presse irlandaise a annoncé la triste nouvelle, alors que la chanteuse se battait depuis des années contre sa propre santé mentale et avait été diagnostiquée comme souffrant de troubles bipolaires. Mais la Dublinoise avait surtout été particulièrement affectée par le grand drame de sa vie, le suicide de son fils Shane en janvier 2022, alors que le jeune homme s'était échappé de l'institut où il soignait des tendances suicidaires. Le 17 juillet dernier, elle avait posté un message cryptique sur son compte Twitter, symbole de ses troubles psychiques depuis la disparition de Shane, « Je vis comme une créature nocturne morte vivante depuis. Il était l'amour de ma vie, la lumière de mon âme » écrivait-elle. Une magnifique voix, une vie de combat, de douleur aussi notamment connue pour son tube Nothing Compared to You, reprise d'un morceau de Prince, Sinéad O'Connor laisse derrière elle une grande communauté de fans éplorés. Les hommages se sont succédés sur les réseaux sociaux, alors que sa musique avait clairement traversé les frontières au cours de sa carrière, ce qui lui avait notamment valu le titre d'artiste de l'année décerné par le magazine Rolling Stone en 1991. Le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, a notamment salué sa mémoire sur Twitter, « Sa musique était aimée dans le monde entier et son talent était inégalé et incomparable. » Condoléances à sa famille, ses amis et tous ceux qui aimaient sa musique, a-t-il écrit. Samuel Etienne faisait visiblement partie de cela, alors que l'animateur a rapidement réagi à sa disparition, triste, une magnifique voix, une vie de combat, de douleur aussi, c'est un, à 56 ans écrit-il le cœur brisé. Une émotion partagée par d'autres personnalités sur les réseaux sociaux, notamment Pierre Lescure et Nico Saliagas. Quant au rappeur et acteur américain Ice-T, célèbre pour ses prises de position tranchées, il a souligné l'engagement de l'artiste, respect pour Sinéad. Elle défendait des causes importantes, au contraire de nombreuses personnes. Repose en paix, a-t-il écrit. Une personnalité marquante.